Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment utiliser le compas dans Instruments Poche. Donc, dans la barre d'outils, vous avez ici le compas, on clique dessus, ça fait apparaître le compas. Donc, on a plusieurs possibilités pour manipuler le compas. Donc, on approche la souris du compas. Donc, première chose, si on l'approche sur cette branche-là, on va pouvoir écarter le compas. Sur cette partie du compas, ça va nous permettre de le déplacer. Et sur cette partie, ça va nous permettre de le faire tourner. Quand on double-clique sur le compas, il se met en position de tracé. Donc nous allons maintenant voir comment on peut faire ça pour faire une figure. Donc nous allons tracer le cercle de centre A et de rayon AB. Donc pour cela, on va amener le compas sur le point A. Donc comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, en fait, en faisant un clic droit sur le point, on va pouvoir déplacer le compas en faisant compas translation exactement à l'endroit où est situé le point A. Ensuite, pour avoir un écartement de la longueur du segment AB, on fait un clic droit sur le point B et on fait mine du compas. Et donc là, on a exactement un écartement qui correspond à la longueur AB. On double-clique sur le compas, on le fait pivoter et on obtient bien un cercle de rayon AB. Possibilité d'utiliser avec la règle. Donc là, pour essayer d'être un peu précis, la première chose à faire, c'est d'amener la règle au niveau d'un point. Donc on fait règle de translation toujours en faisant clic droit sur un point. Et ensuite, on prend le compas. En faisant toujours un clic droit sur le point, on fait compas, translation. Ensuite, on prend l'écartement de la longueur que l'on souhaite, par exemple ici 5 cm. On range la règle, on double-clique et on a tracé un cercle de centre A et de rayon 5 cm.